Coucou! Hop! Comment vous allez, mes bouchons? Je suis contente de vous retrouver! Ah oui, il faut que vous pensiez à actualiser, ceux qui sont déjà là. C'est chiant, ça, que ça se met pas direct. Hein. Je vois Orlan et Dolan qui discutent de manière conviviale et fraternelle, mais ils ne m'entendent pas. Je suis seule, loin de tout. Ah, est-ce que le chat, on voit bien? Ouais, on voit le chat, j'ai réussi. Mais coucou! Ah, Xarixas, merci! Xariska! J'étais seule, ils ne voyaient pas! Coucou tout le monde! Comment vous allez? Est-ce que vous êtes chaud patate? Attends, la musique elle est un peu forte quand même, je pense. Là, on va se détendre du bulbe, hein, quand même un petit peu. Hein. Ouais. Are you ready pour retrouver notre petite Harry? Je suis trop motivée! De bon matin! Je vais très bien, merci. J'ai fait un gros câlin avec Rémus ce matin. RIP mes oreilles, ah désolé. Désolé, mais c'est parce qu'après c'est moins fort. Attends, je vais baisser tout de suite ça. Voilà, on va tout de suite aller là. Normalement c'est moins fort dans le truc. Comment vous allez vous ce matin? Are you de bonne humeur? Ah mais du coup je peux plus aller là. Coucou tout le monde. Salut les fils de vache. Oui! Vive les fils de vache! Ah, on a déjà un volume plus décent là. C'est plus sur l'eau que je m'en avais, mais ça va. Oh, pauvre toi! C'est quand même fort. Oh, attends. Je veux ma souris, mais je veux récupérer. Attends. Je veux vous mettre un peu moins fort le son quand même. Voilà. Merci, Musica! Coucou tout le monde, vous allez bien? Visage souriant avec cœur. Visage souriant avec cœur. Ça, c'est une bonne... Coucou mes petits fils. Merci ma Musica pour ton sub prolongé. J'aime trop le truc de Google. Alors oui, je mets le chat. Je pense que je vais essayer de mettre le chat de manière récurrente dans les streams maintenant. Parce que pour la rediff sur YouTube, je trouve que c'est plus agréable quand même d'avoir le chat en même temps. Ça met quand même un peu plus d'interactivité. Et je me tâte du coup à retirer, à mettre les rediffs Twitch juste pour les subs. Alors c'est pas tant pour avantager, c'est tout simplement pour qu'il y ait plus de retours, enfin plus de gens qui aillent les voir sur YouTube. Parce qu'en fait j'ai remarqué que quand les gens les regardent sur YouTube, ils laissent plus facilement un commentaire pour donner leur avis aussi. Et je trouve ça dommage que les rediffs sur Twitch, du coup je puisse pas avoir vos retours. Donc je me tâte à faire ça. Donc en tous les cas, je pense mettre le chat maintenant pour les rediffs. Donc après ça change rien, vous aurez quand même les rediffs, hein, les non-subs. Hein, parce que en gros les subs ils auront 24 heures avant. Tous les streams Twitch sont sur YouTube, donc ça change rien. Je passe à la télé, coucou moi. Coucou tout le monde, tous ceux qui arrivent. Ah oui, effectivement, Kurapika, effectivement. C'est vrai que si t'es malade cette année, c'est pas la bonne période. Du coup d'ailleurs, bonne nouvelle si on veut, ma soirée d'Halloween est tombée à l'eau puisque samedi soir je devais voir Clochou et Amandine avec le Cups pour faire une soirée Halloween tous les quatre. Et en fait, Clochou est un cas contact et Kim a un collègue qui est un cas contact, ce qui fait que du coup, il est un cas contact aussi. Donc, on sort pas, voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on se fera un stream pour Halloween. Je ne sais pas quand, mais on fera un truc. C'est sûr et certain. Coucou maman pour la télé, fils de vache. Mais c'est bien, les fils de vache. C'est des bons... Alors, attends, j'essaie d'agrandir un tout petit peu. Pourquoi je vois pas le... Twitch me fait la tête un peu, hein. Twitch, il me fait un peu... il me maltraite un peu, hein. Je vois plus le truc en haut, c'est malin ça. Bon bah écoute, on va devoir faire comme ça. Hein, tant pis. Est-ce que vous êtes ready? Vous pouvez me dire combien vous êtes? Moi je vois 27, mais rien qu'à vos pseudos, je dirais que vous êtes plus quand même. Hein. Je regarde ton live en même temps que mon cours en ligne. C'est-à-dire que tu vas bien bosser. ça veut dire que... Alors du coup, on en était où? On en était... On avait fait un putain de périple. 192. Ah oui, vous êtes un peu plus que 27 quand même. Ah, quand même. Quand même. Du coup, on avait fait un périple incroyable à travers une forteresse oubliée. On avait eu un coffre et maintenant, il fallait qu'on aille au Dôme des Saisons. Donc, ma foi, allons-y. Je ne sais pas comment on y va puisque j'ai quitté là la dernière fois. Comment on va au Dôme des Saisons? Parce que comment je suis arrivée là, déjà? Parce que... Ah! Peut-être qu'il faut que je monte ici. Ou c'est par là que je suis arrivée? Comment je suis arrivée ici? Ah, j'ai dû passer... Vous savez comment... Vous rappelez comment je suis arrivée? T'inquiète, c'est enregistré. Ah bah, j'espère bien.
J'espère bien, mais faut que j'aille par là ou par là? Non, pas par là, c'est pas possible. J'ai dû venir de là, non? Attends. Ah oui, 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 je viens d'ici. Je viens d'ici, j'avais... Oui, 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 je viens d'ici, je m'étais tapé tous les pics. C'est bon, c'est pas tous les pics, tous les poteaux. Je me rappelle pas. Oui, en même temps, c'est pas très... Pas très intuitif, hein. C'est pas... Donc, faut que je saute ici? C'est moi ou j'ai pas confiance? J'ai pas envie de tout perdre, hein. Et je crois que c'est ça, hein. C'est je... J'ai bonjour, j'ai pas vu le premier épisode. Alors je résume pour ceux qui n'auraient pas découvert le jeu la semaine dernière. On incarne cette petite fille qui remplace son père dans le conseil des magiciens. Du coup elle a volé son orbe de glace. Donc on est un peu une Elsa sans charisme. Et en fait notre frère a disparu, on a retrouvé son épée en bois près d'une hyène. Du coup on se dit qu'il a sans doute... qu'il est sans doute mort, voilà. C'est the pain. Ah voilà, non c'était bon, c'était bon. C'était ça. Tu vas mourir si c'est trop haut. Ouais, mais là ça va, c'est pas trop haut. C'est pas trop haut. Oh non, c'est pas suicidaire. Mais non, regardez comment c'est passé tranquille. Et du coup voilà, on incarne cette petite fille qui s'est déguisée en petit garçon pour sortir, mais au final tout le monde l'a reconnue. En même temps, elle s'est juste coupé les cheveux. Et elle doit retrouver son frangin. Et on doit retourner du coup où on était tout à l'heure. Tout à l'heure, la dernière fois, on a retourné un truc de hyène. Est-ce que je peux sauter de là? C'est que de l'eau. Oh oui! Comme papa dans maman. C'est pas... Non, c'est pas très élégant comme... Je sais pas où je vais, hein, mais j'y vais. Ah oui, donc je peux nager, mais pas partout, quoi. C'est un courant sélectif. C'est un courant... Allez, laisse-moi sortir de là. Voilà, on est sorti de l'eau, on est content. Note qu'on sait pas trop ce qu'on fout là non plus. Ok, ça c'est pour glacer. Oui, mais là on n'a pas besoin de glacer, on peut sauter là. Là, regarde, ce petit saut. Bah, easy. Ah oui, ça c'est la boutique. J'étais passé là. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Psst, psst, tu veux de la nouveauté? Et j'ai plein de bonnes choses, hein. Vas-y, montre. Montre-moi ce que tu as. Oh, des vêtements. J'adore la description. Qui sait d'où ça peut venir? En tout cas, vous aurez la classe en cassant des gueules. Oui, mais j'ai pas de thunes, en fait. J'ai pas d'argent, donc... Laisse-moi être une pince, d'accord? Et donc là, il faut qu'on retourne là où on était la semaine dernière, où on est mort 50 fois en sautant pour rien. C'est... Oui, les bottes avec les ailes vont m'aider pour le pont, je pense aussi. Je pense aussi que ça sera plus simple, du coup, là où on a galéré la dernière fois. J'étais juste pas dans le bon ordre, quoi. Mais qu'est-ce que je fous, là? Je sais pas... J'ai l'impression que je vais dans le bon sens, hein, donc ma foi, continuons, hein. Hop, hop. Ah, mince. J'étais pas prête. J'étais pas prête, je pensais que c'était un pote. C'était pas un pote. Je casse des bouches. Fils de vache. Oui, parce que fils de vache, c'était l'insulte de la fille. Voilà, elle a cassé des bouches en faisant « Fils de vache !» Donc voilà, c'est resté un peu le truc emblématique de... du jeu, quoi. En même temps, fils de vache, c'est quand même The Insult, quoi. On est perdu. Mais non, on n'est pas perdu, regarde, j'ai retrouvé le chemin. J'ai retrouvé le chemin. Regarde, faut juste que je bute les trucs. Alors, je me rappelle plus, il y avait des techniques de combat, il me semble, hein. LT, ah, c'est ça. Yeah. Après, moi, mes techniques de combat se résument très souvent à bourriner, hein. T'es nul. T'es nul, fils de vache. Enfin, lui, il a un masque, quand même. Hein. Ça fait des petites pièces. On dépouille les cadavres, quand même. On est quand même une enfant... discutable, j'ai envie de dire, quand même. Hein. Oh oui, c'est vrai. On avait tué un raton laveur et on n'avait pas pu récupérer la thune. Cette arnaque... C'était vraiment une arnaque, hein. Franchement, ça fait mal. Pour une fille aussi rapia que moi dans les jeux. Je précise, dans les jeux. Maintenant, je dis fils de vache, les gens ils comprennent pas. Bah oui, normal. Faut faire partie de l'élite pour comprendre, tu vois. Fils de vache! Tchoupi, 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 tchou. Alors, c'est donc là que nous devons être. Maintenant, je sais plus comment ça marche. C'était quel bouton? Non. Non. Non plus. J'ai oublié le bouton, ouais. J'ai oublié le bouton! Mais non, t'accroupis pas. Ok, ça s'accroupit. Mais y a pas 50 boutons!
Attends. Inventaire, sauvegarder. Option. Commande. Ah non, c'est pas ça. Combat, non. Il n'y a pas de détails en fait. Ils se sont dit c'est tellement facile. Ah bah d'accord. Ah peut-être là-haut, attends, inventaire. Non. La carte. La quête, les notes. Bah non. Bon, je sais plus. Vous rappelez le bouton ou pas? C'est marrant si j'oublie les commandes toutes les semaines. Ah non, mais c'est pas toutes les semaines, mais j'y ai joué qu'une fois. Non, mais attends, j'appuie sur tout. Oula, oula, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Laisse-moi! J'ai oublié le bouton! Mais. Non, mais lâche l'affaire. Détends-toi. Alors, je me rappelle comment on saute. Mais. J'ai retrouvé! Freeze! Appuie sur elle. Non, c'était alors pour. Si vous voulez me rappeler la semaine prochaine, c'est ça. Voilà, c'est le petit truc avec les quatre trucs à droite. Voilà. Freeze! Et pour l'enlever, c'est ça. Non, je sais plus comment on l'enlève. Non. Non. Parce que j'aimerais bien m'en rappeler quand même. Ah, pour l'enlever, c'est LB. Voilà, je vais le remettre. Mais voilà. On va le remettre pour le plaisir. Pour le plaisir, j'ai dit. Mais elle veut pas le remettre maintenant! C'est bon, j'ai eu peur. Je crois que c'est ma manette qui s'est déco quelques secondes, qui m'a fait une petite frayeur. Une petite frayeur. Bon alors, comment on l'équipe le bordel là? Parce que j'ai chopé des palmes magiques là. Parce que là, je vais remourir, on est d'accord, hein. Le truc avec les trucs. Le petit truc avec les quatre trucs à droite. Et comment... Non mais t'es sous le joystick pour se diriger, mais avec des... Ouais, ok, c'est pas clair. Vas-y. Geronimo! Non, mais c'était un peu mieux. Ah, le bruit de la chute, il fait mal, hein. Par contre, attends, on va retourner voir l'inventaire. Parce que... Équipable, consommable, capacité. Ah! Ah oui, non, c'est juste une capacité, en fait. J'ai pas besoin de l'activer. Sauter doublement haut au-dessus des barrières, des plateformes et des ennemis. Faut que je sprinte, peut-être. Je me rappelle qu'on peut sprinter. Je sais plus comment, mais ça va revenir. Non, c'est pas ça. Je sais pas si c'est ça. J'ai pas l'impression que ce soit ça. Elle court pas plus vite, là. Non, elle court pas plus vite. Comme ça. Oui, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé le sprint. Ok, alors vas-y, on peut le faire. I can do it. I can do it. I can do it. Mais non. Life is hard. Ah putain, j'ai plus de vie. Mais genre, j'ai plus de vie, je suis juste morte. Bon bah j'ai plus de vie, hein. Qu'est-ce que je te dise, ça va revenir tout seul. Voilà, aie confiance ma fille. I can do it. Je peux pas do it. Oui. Oh, oh. We did it. We did it. We did it. We did it. Ah, bien ça. Dis-moi que c'est plus facile d'aller par là, s'il te plaît. Ouais, j'ai l'impression que ça, un saut normal suffit. Voilà. Et de l'autre côté. Oui. Oh. Oh, on l'a fait. Oh. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau. Oh, voilà. Là, on est content. Je vais peut-être pas le retirer, hein, parce que sinon, je risque de crever. Donc, allons-y. Bonjour. Je suis une enfant qui a volé le joyau de mon père. Est-ce que tu veux que j'active ça? Comme ça, tu tombes et tu meurs. Non, on va lui parler d'abord. Salut, Jean-Eude. Oh. Flynn. Oh, minute. Ariel, j'ai bien failli ne pas te reconnaître. Comment as-tu bien pu franchir ce pont? Quelle chance incroyable. Si ces cristaux étaient tombés à peine plus près, mon frère et moi y serions passés. Ne regarde surtout pas en bas et tout ira bien. Que s'est-il passé? Je vais dans la vallée pour une mission très importante. Une mission importante, hein? T'es drôle au moins. Alors, si tu savais, elle va te faire tomber dans le vide, tu vas rien comprendre, hein? Non. D'accord, d'accord, une mission importante, d'accord. Malheureusement, tu vas devoir trouver un autre chemin pour descendre. Mon frère et moi réparons la tour depuis un moment. En plus, ces cristaux ont bien endommagé le pont. Mon est en haut, il travaille dans les derniers étages. Je l'aurais bien aidé, mais disons que la hauteur, c'est son truc. C'était d'accord quand nous avons eu travail. Quand on a devant ce travail. Je dois prendre ma pause, alors l'ascenseur va pas fonctionner pendant un moment. Mais je peux pas attendre, je dois descendre tout de suite. J'ai besoin d'assister à une réunion secrète très importante. Oh. Ha ha ha!
Tu m'as bien eu, petite. Je suis navrée de gâcher ton petit jeu, mais ta quête de livraison ou quoi que ce soit devra attendre. Quoique, je vais te dire, nous devrions essayer l'ascenseur, mais mon frère a besoin d'un engrenage. Si tu le lui amènes, je repousserai ma pause déjeuner pour toi. Qu'est-ce que t'en dis? Ça semble dangereux. J'en suis. J'y suis déjà. Ok, bah écoute, tant mieux. Écoute, au moins elle est positive. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Voilà, c'est... Très bien. Tu dois d'abord aller prendre le matériel dans l'atelier, à l'étage. Il devrait être sur l'établi, sur des cordes. D'accord. Ça va, monsieur le courageux, là? Vas-y, comment on monte à l'étage? Peut-être avec ça, du coup? Que je vois au moins à quoi ça sert. Il s'est rien passé. Eh ben non, il s'est rien passé, puisque l'ascenseur, il marchait pas! Récupérer l'engrenage. Et comment le gars, il est monté à l'étage? C'est ça que je ne... Ah! Eh ben, il a l'air très content de vivre, ce garçon. Bah écoute, ok. Comment je suis censée monter? Devant un escalier, quelque chose? Ah, il y a quelque chose ici. Lire la tablette sacrée. Cette tour se dresse en l'honneur du premier gardien des saisons, Algernon le Sage, à qui le guerrier légendaire a confié la tâche d'élaborer un code de vertu des gardiens. Bon courage. Sans les gardiens, notre capacité à honorer les saisons serait depuis longtemps tombée entre les mains de nos ennemis. Alors que la force des traditions perdure et que le combat perpétuel des gardiens contre le mal ne soit jamais oublié. D'accord, une nouvelle quête. Écoute, tant mieux. Faut que j'en trouve 15? Ouais, alors c'est peut-être pas la priorité du moment. Ah, mais il y a des escaliers! Attends, le mec, il a juste la flemme de se taper les escaliers, en fait. C'est bien ce que j'ai compris. Moi, je pensais qu'on allait devoir escalader de manière périlleuse, mais... Mais non, que dalle. Alors, il faut que je trouve un truc sur les cordes de l'établi. Il y a un truc ici, mais je vais peut-être pas activer la glace sans savoir pourquoi c'est fait. Hein. Ah, il faut que j'active la glace. Ok! Freeze! Ça me fait trop rire. Comment elle le dit? On dirait fraise. Ah, le voilà! J'ai l'engrenage! Y'a pas un coffre? Ouais, je suis un peu une femme vénale, ouais. Et alors? Et alors? C'est quoi que je peux ramasser là? Y'a un autre truc qui s'affiche ramasser. C'est peut-être un bug. Je pense que c'est un bug. Bon bah, c'est bon. Ah, attends, y'a un truc ici. Oh, raccourci. Ok. Vous allez avoir le tournis encore, hein. Ça, je fais vachement de jeu avec le tournis quand même, hein. Sachez que c'est pas spécialement une affinité de ma part de base, hein. Je suis pas spécialement fan de ce qui fait Bégère. Non, mais je vous le dis. Bon, donc je suppose qu'il faut que j'escalade ici. Ça va, vu qu'elle est assez souple. Oh là là, quelle femme! Il est plus haut encore, Coco? Bon, je suppose. Oula, 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 calme-toi. Hop! Prendre l'élan! Voilà, c'est ça qu'on veut! Ah bah non! Pas contre le mur, ma fille! Voilà! Non. Voilà, c'est bien. Et maintenant? Là-haut là! Ah, je vois, Coco! Oula, oula, attends, calme-toi! Keep calm, parce que là, si elle tombe, là, elle peut se faire quand même un petit peu... elle doit, tu vois... Oh, elle a réussi! Oh, du pinard! Un jus de fruits, ah, pardon. Oh, ouais, ça peut être un peu du pinard, hein. Est-ce qu'il faut que je fasse le tour par là, ou est-ce que je vais directement le rejoindre? Ai-je le goût du risque? Non, pas du tout. Ouais, salut! Oh, salut! C'est toujours un plaisir de rencontrer la famille du gardien de l'hiver! Comment va Gwen? J'espère qu'il va mieux. Tu sais, c'est ton père qui nous a trouvé ce travail quand la tour a été classée monument régional. Il a dit qu'on ne trouverait jamais meilleure vue. J'avais jamais vu Yul de si haut. Tout a l'air si petit. Oh, mon frère... Mon frère récupère de sa crise! La vue d'ici lui fait pas du bien. Il déteste les hauteurs. Moi, j'aime bien. Je prends même des pauses ici avec un bon verre de jus de fraise. Du pinard, c'est clair. Du jus de fraise en plus. C'est même pas du jus de cerise, c'est ou un truc crédible. Non, du jus de fraise. Ça existe pas, le jus de fraise. Ça se fait pas. Entrons pour remplacer l'engrenage. J'espère terminer mon cas sur une note positive. Il sera alors temps de boire un bon jus de fraise pour fêter ça. On sait. Vous comme moi, nous savons. C'est pas du jus de fraise. C'est clairement pas du jus de fraise. Ah, par contre, attends, les bouteilles de jus de fraise. Et voilà le travail, je peux enfin descendre. Oui, on peut.
jeter les sorts. Comment on fait? C'est pas limpide. Le mec est addict au jus de fraise quand même, hein. C'est parti, tout devrait fonctionner désormais. Tu devrais descendre auprès de mon frère et essayer de l'ascenseur. J'ai encore du travail à terminer et cette vague de chaleur ne me fait pas du bien. Au moins le vent qui souffle ici me rafraîchit. Bah écoute, grand bien te fasse. Y'a encore un truc ici ou pas? Je sais pas, y'a un point d'interrogation. Pourquoi y'a un point d'interrogation? Ça me stresse. Y'a peut-être un jus de fraise à l'intérieur. Attends, je vais retourner voir. Y'a pas de jus de fraise, hein. Y'en a peut-être en dessous. Dis bon, t'as rien d'autre à me dire? Non, non. Je vais faire un tour par là. Oula, oula, oh! C'était pas une bonne idée. Maintenant, je sais qu'il faut pas aller sur le toit. Je savais pas, ça va, c'était pas clair, hein. Oups. Oh, ça va, un petit raccourci. On s'est pris un petit raccourci. Oh, un coffre! Tu vois, on a bien fait de prendre un petit raccourci. 55 pièces! Ah bah, ça valait le coup de faillir mourir quand même! De manquer mourir, faillir mourir. Je ne sais plus parler. Oh, ça va ta petite respiration, ça va. Cours un peu, ça va te revenir. Ça va passer. Attends, je voudrais juste voir est-ce qu'il y a autre chose, mais je ne pense pas. Hein. Non. Regarde, elle va déjà mieux, elle respire mieux. Tu vois, c'est une petite chose. C'est. Oula, oula. On redescend. On redescend. Est-ce que du coup. Ouais, non, je vais redescendre le chemin classique, hein. Je vais redescendre. Attends, du coup, je retire le freeze. Nous repassons en été. Oula, j'ai cru qu'elle allait me faire une connerie. C'est pas son genre. C'est pas son genre. Bon, j'ai pas les jus de fraise, mais en même temps, qui s'en fout? On s'en fout du jus de fruits, ça va. Salut, Feignas! Comment ça va? T'as peut-être assez de cran pour une mission secrète? Beau travail là, Harry. Nous pouvons faire l'essai. Tire le levier derrière toi quand tu seras prête. Tire le levier et la bobinette, cher rat. On est là pour une raison de faire monter. Mais à la limite, ça aurait été du pinard. J'aurais pu faire l'effort du jus de fraise. Ah, il fait trop chaud. Il faut que je pique une tête dans le lac. D'accord, on s'en fout. Faut arrêter d'essayer de faire la conversation avec les gens. Clairement. Eh ben, on a réussi! Tire le levier, cronk! C'est ça! C'est long! J'espère qu'on n'aura pas à remonter de si tôt. On a le temps de mourir, là, hein. C'est quoi cette pause? Ah bah, là, elle a le... la sécurité de l'emploi, tu vois. C'est... Yes! Et merci de nous avoir aidés! L'ascenseur fonctionne comme un charme! Vaudrait mieux. On était dedans quand même, donc j'espère qu'il fonctionne bien quand même. Je vérifie qu'il n'y a pas une petite bouteille. Pourquoi elle marche comme ça maintenant? Hé, c'est rigolo, c'est les bras tendus pour avoir équilibre de la vie. Ok, mais marche normalement. Ah bah quand même, t'es bugué de l'ascenseur là. Oh, un cristal. Oh, il y a plein de choses ici. Attends, je vais aller voir le cristal avant d'aller voir les ennemis. J'ai envie de voir le cristal. Il m'attire. Il m'appelle. Il m'appelle le précieux. Oh, ça doit faire la tunasse. Allez, on se casse. Genre, c'était juste pour voir le cristal. Oh, il y a une plaque! Les plaques, c'est bien, c'est une mission secrète. Cette tour se dresse. Bon, on l'a déjà vu. Oh, d'accord. C'est la même plaque en fait. Ils auraient pu changer le texte. Alors, on va faire les fils de vache un petit peu. Je te prends au dépourvu. Ah bah non, il appelle ses copains. Ah bah non! Ça va, ils avancent pas. Hop là! Bim! Fils de vache! Elle l'a dit! Elle l'a dit! Fils de vache! C'est moi ou y'a. Y'a une hyène qui vole? Je veux bien que la perspective soit étrange, mais elle vole là! D'accord! Non, mais y'a peut-être des propriétés magiques qu'on connaît pas, hein. Peut-être. Attends, il y a un truc là. C'est quoi ça? C'est indiqué sur la carte, ça m'attire. Bah, ben, y'a rien en fait. Ah, si, là. Oh! Ça fait quoi si je le freeze? Ah, bah, ben, je le transforme là-bas en glace. Ah, oh, vas-y, on va monter. Il y a peut-être un truc.
Tu vas me dire, il y aurait pas un truc, ça ferait chier quand même, hein. Qu'est-ce que je fous là? Ok, 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 ok. J'aime pas les plateformes. C'est pas ce que je préfère dans le monde, hein. C'est... Je vois rien, en fait, je vois rien du tout. Il y a l'arbre qui me cache la vue. Oui, ça c'était un peu de mauvaise foi, ok, mais... Tu bois trop de pinard, Thibaut. Tu sais que je bois pas de vin, je trouve ça dégueulasse. Non, c'est véridique. Oui, I did it. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je fous là, en fait? Il y a rien du tout ici. Est-ce qu'il faut que je remonte sur celui-là? On va essayer de monter là. Non, c'est pas là, c'est pas ça. C'est de redescendre, 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 redescendre. Ok, attends, attends. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. Je me fais des frayeurs toute seule. Est-ce que je peux atteindre ça, là? Oui! Oh, magnifique! Oh là là, il y a des choses ici. Ramasser. Une théière sépale. Eh, hey, je peux la revendre 10 balles. Ah, il y a des collections de théières sépales, d'accord. Une tarte, je peux pas bouffer la tarte, d'accord. Bon, bah, et le coffre. Est-ce qu'il y a des trucs bien? Eh, je veux au moins de la tunasse. 50, c'est tout? J'ai une théière. Ça valait le coup? Pour une théière. Attends, une théière sépale, j'ai envie de te dire. Je sais pas ce que c'est. Tu sais quoi, sépale? Quelqu'un à la fois de regarder sur Google, là, maintenant. Non, c'est dangereux, là, ce que je fais. Si je saute de là, est-ce que je meurs? Ah, question à 1000 balles. Il est où mon caillou, là? J'ai perdu mon caillou. Ah, il est là. Voilà. On va redescendre un petit peu plus... Non, bon, pas doucement. Bon, ça marche quand même. Ok, on enlève le flouc. C'est une théière qui coûte cher, il me semble. Ah, sépale? Non, mais sépale, ça veut pas dire qu'il coûte cher. Y a un autre truc là-bas, ou... Non, c'est de là d'où je viens. Tout va bien. Ok, bah écoute, on a bien fait de regarder la carte. On apprend des choses. Du thé bien préparé. Oui, 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 oui. C'est pas assez, il nous faut plus de sous. Je suis bien d'accord. Alors, peut-on voir ce qu'il y a... On peut pas voir ce qu'il y a marqué. Il y a rien de marqué d'ailleurs. Clairement, vous nous prenez pour des jambons. Hein. Il y a absolument rien d'écrit. Vous auriez pu au moins mettre des triangles. Qu'on capte que voilà, on nous prend pour des jambons. Mais genre, ouais, c'est pas notre langue, tu vois. Ou... Là, non. Là. Ah, attends, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. Moi, quand il y a des, quand il y a des signes. Qu'est-ce qu'on fout là? Alors. Ah, il y a un autre. On va faire freeze! Ça sert à rien. Il doit y avoir un truc. Il y a une pierre qui. Oui, voilà ça là. Ah, je pense qu'il faut que je sois là. Ouais, je l'ai eu! Par contre, quelle est l'utilité de la chose? Attends, laisse-moi comprendre. Laisse-moi avoir une vision d'ensemble, s'il te plaît. Tiens, encore du jus de fraise! Du jus de fraise, oui! Quel est l'intérêt? Peut-être monter dessus? L'intérêt m'échappe. L'intérêt me surprend. On verra. Ah non, déjà, on peut pas leur causer. Ah, elle sème du blé. Alors, je sais pas si t'es au courant, meuf. Ça sert à rien de semer du blé parce que là, ton blé il a poussé. Hein. Alors, après, je veux pas te faire du mal, mais. Quelle est l'utilité du truc? Ah, si! Remets-moi dessus, je suis dessus. Ouais, je suis dessus. Ah, d'accord. Ah, d'accord! Oh, faut aller vite en plus. J'ai déjà dit que j'aimais pas les plateformes ou pas? Parce que j'aime pas les plateformes. Hop, j'ai chopé l'enfant. Bonjour Harry. Ok, c'est vraiment pour le coffre, hein. J'espère qu'il y a une théière. 45 pièces. Tout ça pour 45 pièces? Bah ouais, c'est de la tunasse, hein. On va pas se plaindre d'avoir de la tunasse, hein, après. Hein. Non, les toits, c'est pas... Ok, j'enlève la glace. Youpi! Ok, bon, ça c'est fait. J'ai vu qu'il y avait un Jean-Jacques ici. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Harry. Oh, c'est un panda.
C'est quoi les améliorations? Augmente l'agilité en combat. Augmente les dégâts d'une attaque. Régénère la santé au combat. Oh, c'est pas mal ça! Après, est-ce qu'on garde pas notre tunasse pour avoir une épée qui fait plus mal? Parce que là, on a quand même une épée un peu nulle. Hein. C'est amélioration pour nous, tu crois? Augmente les dégâts d'une attaque. On peut prendre ça, non? Allez. Il me restera... Oui. Non, merde, je l'ai pas fait, oui. Voilà, j'ai augmenté les dégâts d'une attaque. Parce que je suis une bourrine! Bon, avec tout ça, faut que j'aille par où? Faut que j'aille là-bas. Oui, alors attends, je vais d'abord visiter quand même. Quand même. Je vais peut-être trouver une théière. Bonjour. Hello. Ah, salut Harry, t'as l'air bien agité, tu veux manger avec nous? C'est presque prêt, mais j'ai toujours pas de poisson. Du poisson? J'aime pas vraiment le poisson. En plus, j'ai une mission importante, j'ai pas le temps de manger. Wow. On peut pas partir à l'aventure avec le ventre vide. Désolée de te le demander, mais il faut surveiller la nourriture, tu veux bien? La hutte du pêcheur n'est pas très loin, elle vit à côté de la cascade sous la tour. Qu'est-ce que j'y gagne? Même si tu n'aimes pas le poisson, il y aura d'autres plats. Je crois bien qu'il nous reste des pommes et peut-être même des biscuits. Des biscuits? J'en suis. Wow. Des biscuits, oui. Tâche de faire vite, je veux pas faire brûler le reste du repas. Nourrir le village pour les cookies. Faut que j'aille là-bas? Bon, bah allons-y. Hein. On a beaucoup de quêtes annexes quand même, hein? Ça va, madame? Oh! C'est là où on a des. On peut avoir ça, un katana, c'est stylé quand même, hein? Mais 1000 pièces. J'ai pas 1000 pièces, quoi. Et le gourdin, non. Salut Samuel! Au revoir Samuel! J'ai cru qu'ils étaient en train de mourir, je sais pas pourquoi, j'étais en train de se noyer. Tout pour la bouffe, c'est ça. Je suis sûre qu'ils sont en train de jouer à des jeux chelous. Ça va, je vous dérange pas, m'incluez pas dans votre jeu surtout, hein! Psst. Ça se fait trop pas de me maintenir à l'écart. Hein. C'est vraiment pas très très sympa. Hein. Y a des quêtes partout. Il y a plein de quêtes. Et je vais jamais en faire une seule. Salut! Ah, salut Harry! J'aime bien ton nouveau look. Salut Molly, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Des problèmes de garçon. C'est Garwin, hein? Qu'est-ce qu'il a fait cette fois? Le lac a toujours été gelé jusqu'à aujourd'hui. Je pensais aller nager du coup. Mais Garwin s'est moqué de moi et m'a dit que j'étais folle. Je devrais peut-être l'ignorer et aller me baigner au lac. Je sais que t'es amoureuse de lui, Molly, mais il a été méchant. Oublie-le. Garwin n'avait aucun droit de te dire ça, Molly. Tu devrais lui faire savoir. T'as peut-être raison, Harry. Je vais peut-être lui en parler. Mais bien sûr que tu vas lui en parler, meuf. Te laisse pas maltraiter. Ah, mais c'est la même chose, en fait. Ah, peut-être que je dise l'autre, du coup. Attends, on va essayer ça. Ah, il faut qu'on aille lui parler. C'est nous qui devons aller gueuler sur Garwin. Super. Garwin, c'est toi? C'est toi le bolos, là? Ouais, je t'ai fait pleurer, ma pote. Harry, c'est quoi cette coiffure? On dirait Flynn. C'est pas important, Garwin. Je suis là pour Molly. Occupe-toi de tes affaires, Harry. C'est mon amie et tu l'as fait pleurer. Elle voulait juste profiter du lac. Il a jamais été comme ça auparavant. Jamais de la vie. C'est pour ça qu'elle est folle de vouloir y nager. Ça me semble amusant, moi. Ça n'a rien d'amusant pour moi. Cette nouvelle météo, c'est n'importe quoi. On faisait du patin tous les jours. Qui sait si on pourra en refaire un jour. Yule est une ville bien différente maintenant, mais c'est pas grave. C'est pas... un petit peu quand même, hein. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Je crois savoir comment te calmer un peu. Ah bon? Ah bon? Comment? Les autres gamins, ils se baignent, hein. Ok, bon bah je sens que leur quête va rester où elle est. Hein. Je sens que leur quête va rester où elle est. Alors attends, moi, parce que moi, c'est pas qu'à la base, j'ai des préoccupations plus importantes. Mais un peu, quand même. Un petit peu. Et savoir que l'autre connard, il est méchant avec ma pote, c'est pas ma priorité absolue de la vie, quoi. Oh, bonjour, Harry, chérie. Tu as l'air de meilleure humeur, c'est merveilleux. En 72 ans, j'ai jamais enduré une telle chaleur. J'ai peut-être une idée pour vous rafraîchir. Il fait trop chaud pour moi. Je suis venue près de l'eau dans l'espoir de profiter d'une brise fraîche. Pour l'instant, c'est raté. Crois-le ou non, je préfère quand Yule est à 1 degré ou 2 en dessous de 0. En fait, c'est... On a plein de trucs à faire, mais on sait pas comment les faire. Donc... un suspense haletant. Hop, 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 hop. Hop là.
Ok, alors on est de l'autre côté de la berge. On est de l'autre côté de la berge, un peu par autour de la cabane. J'espérais qu'il y ait un truc dans la cabane, mais apparaît une note. Non, il n'y a pas. Par contre, c'est là qu'est le poisson. Frise l'eau. Ouais, mais il faut qu'il y ait une... Je pense qu'il faut qu'il y ait une boule pour que je frise tout le lac. Parce que sinon, ça va friser que ma zone. Je pense, hein. Je dis peut-être une connerie, mais... On va voir, attends. Ouais, là, tu vois, c'est que ma zone. Il faut que j'arrive à trouver une boule comme il y a à l'entrée. Salut, non, bah, Marcel en a déjà fait. Comment on va l'appeler, lui? Salut. Pourquoi faire une tête pareille? Pourquoi? Regardons. La moitié de mes outils sont faux du lac. J'ai pas trop envie d'aller les chercher. Le lac pourrait regeler. Et pour couronner le tout, la grue est coincée. Est-ce que tu peux lui donner un bon coup pendant que j'essaie la poignée ici? Je m'en charge. Un bon coup. Un bon coup. J'ai beaucoup de quêtes à faire, mais j'ai pas beaucoup de guides, hein. Oh, du poisse-poisse, c'est ça qu'il faut que je chope? Non. Oh, j'ai marché sur le poisson, ouais, donc j'espère qu'ils vont bien le laver avant de le bouffer. Ah, c'est là. C'est bon? J'ai fait le bon coup? T'es content? J'ai fait tomber le poisson par terre. Salut! Pourquoi faire le... Bah non. Un bon coup. Bah du coup, il est pas content, Coco. Pourtant, j'ai fait tomber le poisson. Mission accomplie, non? J'ai reçu un poisson. Ah! Au moins, j'ai réussi une quête! C'est un jeu d'énigmes? Non, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. C'est vrai. C'est vrai. Alors, attends. Qu'est-ce que je peux faire? Attends, peut-être que je peux faire un truc. Attends, hop. Si je freeze ici, genre. Et que là, je frappe. Non, non. Qu'est-ce que tu fous dans l'eau? Meuf, sors de l'eau! Lui, il va falloir que j'aille lui chercher ses outils, je pense. Ça, ça me paraît assez obvious. Mais, non. Il fallait juste que je récupère mon poisse-poisse, en fait, hein. Alors, la meuf, effectivement, je peux peut-être lui faire une zone fraîche autour d'elle. Ah, bah, attends. Comment je descends? Attends. Je crois pas que je puisse descendre sous l'eau, en fait. C'est con parce que je les vois, mais... Ça a l'air compliqué, les énigmes. Ouais, hein. Un petit peu, hein. Déjà, elle peut même pas nager sous l'eau. Attends, peut-être... C'est pas ça, c'est pas ça. Elle est où, ma madame? Elle est là. Heureusement qu'elle saute bien, ma fille, hein. Franchement. Tiens, t'es contente, là? Attends, bouge pas. Loué soit mes os habitués aux neiges, une sphère hivernale. Tu as le talent naturel des gardiens, Harry. C'est très impressionnant, mon enfant. Oui, on a juste volé la pierre de notre père, en fait. C'est tout. Prends garde, je pourrais m'y habituer. Ouais, trop bien. J'en profite pour te dire que tu es magnifique aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Oh, merci, c'est trop gentil. Ok, bon, ça, c'est fait. On va voir pour le gamin. Ah non, ça peut être la même chose, hein. Toi aussi, tu veux ça? Bah oui, ils veulent ça, en fait. Ouais, une sphère de saison, Harry, comment tu fais ça? Cette famille, j'imagine. La prochaine fois, Garouine, explique plutôt à Molly que tu préférerais faire du patin. Elle le sait déjà. Je voudrais quand même savoir comment t'as mis la main sur une sphère de l'hiver. Eh bah, tu sauras pas, voilà. Parce que la vie est injuste. Ça a rien résolu pour Molly, elle se fait quand même victime, on est d'accord. Yeah. Harry, qu'est-ce que Garouine a dit? Qu'est-ce que toi t'as dit? Dis-moi tout, s'il te plaît. Va reparler à Garouine, Molly, je pense qu'il va te surprendre cette fois. T'en es sûr, Harry? Je t'avais pas donné de mauvais conseils avec ce trou secret dans la clôture, si. Fais-moi confiance, Molly. Bye. Ok, je m'en souviens, c'était drôle et un peu effrayant. D'accord, à plus tard, Harry, au revoir. Ok. Oh, j'ai reçu un chapeau! J'ai reçu un chapeau! J'ai reçu un chapeau! Mon chapeau. Oh! Comment je fais? Ah oui! Oh là là! Oh, qu'est-ce qu'on est beau! Oh, on est soyeux! Bon, je peux l'augmenter.
Oui, ça c'est de l'office, ok. Oh, on n'est pas trop magnifique? On n'est pas trop ouf? On est trop ouf? Ah non, franchement, là on pète la classe, hein. Ne jamais douter de mon skill. Non, mais jamais. Ou t'as un sens de la mode dans la vie ou t'en as pas. Je comprends que vous soyez un peu jaloux de son chapeau des nuvards. En vrai, je comprends. C'est pas facile à encaisser, tu vois. Un tel style, un tel charisme. C'est pas simple. J'ai fait un gros détour, oui. C'est vrai. C'est vrai, tout ça pour lui rendre sa bouffe, là. Tiens, ton poisson. Joyeuse saison. Voilà mon poisson. Et pourquoi fais-tu la tête? J'ai horreur du poisson. Tiens, prends-le. T'aimes vraiment pas ça. Tu te souviens des biscuits que tu m'as promis? J'ai vraiment dit ça? Oh que oui, pas moyen que j'oublie des biscuits. Eh bien, vois-tu, je devais en faire, mais j'ai manqué de temps. Je suis désolée, Harry, je vais pas pouvoir tenir parole, je suis navrée. La famille royale a ordonné 5 douzaines de plats et je peux pas perdre leur clientèle. Tu veux dire qu'ils sont plus importants que moi? Oui. Tu devrais les voir quand ils sont en colère. Enfin, j'ai plus qu'à me remettre au travail. La recette est forcément quelque part dans cette maison. Ah, faut que je l'aide ou... J'ai reçu un masque de poisson crâne. Putain, j'ai reçu des trucs... On est sur du prestige, là, hein. On est sur... Waouh. C'est quoi, le masque? Ah, mais du coup, c'est ou le masque ou le chapeau. Je pense que... C'est pas mal. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une petite alchimie. Il y a quelque chose. Bon, ok, super. Donc tout ça pour rien, en fait. Hein. Je me suis clairement fait entuber sur tous les plans, là. Bon, bah, cassons-nous. Hein. J'ai juste pas aidé l'autre, là, avec ses outils au fond du truc. Mais bon. C'est pas bien grave. Est-ce que c'est par là ou est-ce que... Non, c'est plus par là. Hein. Oui, mais par là, il y a la maison, c'est tout. On a chopé 2 masques, on est content. Oui, non, il n'y a qu'une maison ici. Il n'y a qu'une maison. Je vais reprendre la route. Sur la route, ta-na, ta-na-na-na. Sur la route. Ah bah, elle est contente, dis donc. On dirait pas que son frère a disparu et qu'elle a une mission dangereuse et qu'elle a volé son père. Ah, serait-ce la famille royale? Reste pas là. Ne reste pas là. Oh bah d'accord. Hey. Oh est-ce... Elle vient vraiment de lancer un caillou sur le roi? Ah, sur le prince. Little Ariel. Apologies for the rush. Must be going. Grown-up business to attend to. Grown-up? You're only 3 years older than me. Oh, by the way, I like the new haircut. C'est un peu un vieux cul, non? C'est tout? He likes my haircut. Quoi? Arrête, tu vas pas me dire que tu glousses devant cette merdouille là? Non, Harry, j'ai honte de toi. Franchement. Non mais elle a gloussé quoi. Oh, je suis déçue. I am so disappointed. Allez, à ton bouffe. Voilà, ça fait du bien, un peu de vie. Bon, super, ça valait le coup de se faire interrompre. Moi, je pensais qu'on allait avoir un combat épique avec des valeurs morales en jeu, mais non, on a gloussé devant un prince en carton. Super. Super. Et en plus, c'est... Oh mais l'horreur quoi. Allez, on continue. On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne à cheval. On descend de la montagne, on descend de la montagne, on descend de la montagne à cheval. Vas-y, oula, oh là là, cette coupe de cheveux improbable. Cette coupe de cheveux, il a mis une perruque rousse pour cacher qu'il a la tête un peu de calvitie. Zédric, qu'est-ce que cet idiot de stagiaire peut bien trafiquer? Hey. Salut, aurais-tu vu mon stagiaire par hasard? Je ne crois pas, non. Au fait, moi, c'est Harry.
Ah, t'es du coin. En fait, ça ne te concerne pas, c'est bien trop dangereux pour une petite fille. Rentre vite chez toi avant qu'elle revienne. Qui va revenir? Que s'est-il passé ici? Les hyènes, évidemment. Votre chariot s'est coincé, alors j'ai envoyé Zedric chercher de l'aide. Il a suffi que je regarde ailleurs un instant et ces vauriennes ont pris mes provisions. Où est Zedric? Mon idiot stagiaire est parti chercher de l'aide à Ostara, mais il est toujours pas revenu. Par les saisons qu'elle plaît, l'ancien Yule me manque. Froid, engourdissant et fiable. J'ai pas pu garder la nourriture au frais, elle était perdue de toute façon. Mais une des caisses contenait des perruques à la dernière mode pour la noblesse d'Ostara. Quelle tragédie! Ah oui, bah, au moins t'en as une sur la tête! C'était déjà... C'est déjà... ça! Ces perruques sont tellement importantes! Les perruques? C'est la toute dernière mode à Ostara! Certains nobles attendent des mois avant que leur commande soit achevée. La perte de cette cargaison va faire quadrupler les prix! Je m'y retrouverai, mais les plaintes des clients, par les saisons, ils vont devenir fous! Et ils payent bien! Je peux m'occuper d'une ou deux hyènes? Où sont-elles allées? J'ai remonté leur piste sur la route du village, mais je te conseille de courir dans la direction opposée. La route mène à Ostara. Le danger guette, je vais nulle part tant que les gardes sont pas là. Et votre stagiaire? Quoi? Oh, Zedric! Oh, il faisait que penser à ce beau temps. Il doit être en train de s'amuser, loin du travail. J'aurais vraiment dû m'en douter. L'été, ça n'a rien de bon. Regarde un peu la mastide. Bain de soleil et jeux de plage, ils font jamais rien de leur dix doigts. Quelle journée, elle avait si bien commencé. Ok, les perruques. On va choper les perruques. La map. J'ai besoin de la map. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais. Non, non, on va, non, on tape pas le vieux. On ne tape pas les vieux. La map. Je peux pas voir où est la quête. Attends. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ah, je vois juste la zone. Bah, c'est là où je suis, en fait. Qui mène à la partie inférieure du village. Faut que je revienne là où j'étais. Ok. Faut que je revienne en arrière, quoi. C'est ça que t'es en train de me dire. Ok, bah on va revenir en arrière, écoute. C'est pas comme si j'avais autre chose à foutre. Heureusement que cette mode n'existe pas. Oh bah les perruques, c'est un peu à la mode quand même. T'as plein de youtubeurs ou d'influenceurs ou quoi qui portent des perruques. J'aimerais bien aussi en mettre des fois des rigolotes. Genre des couleurs et tout. Parce que je veux pas me faire des couleurs sur mes cheveux... Que genre changer tous les jours, etc. En plus j'ai les cheveux super foncés donc ça se prendrait pas dessus. Mais ça serait fun de, tu vois, pouvoir mettre les cheveux violets une journée, les cheveux roses une autre. Non. Allez, on y retourne. Ça se trouve c'est pas du tout là qu'il faut aller, mais c'est ça que ça montrait sur la carte, alors j'ai pas l'impression que ce soit là. Aurais-je fait ça pour rien? Cela ne se peut. Je suis pas sûre que le chemin que je prenne là, il soit très conventionnel. Hein. Vraiment pas. Ah, ils sont peut-être derrière là. Genre, là. Si c'est pas là. Il y a un chemin, il doit bien venir quelque part. Peut-être pas. Hein. Au pire, j'explore. On perd jamais son temps à explorer. Hein. Tu sais, c'est quoi ça, un champignon? Fils de vache! Il fait beaucoup, hé! Non mais attends, moi je cherchais pas des champignons, je cherchais des hyènes! Ouais, t'es. Oh, t'es hors saison, bitch! Ok, bah écoute, j'ai bien fait de venir, il y a un coffre. 70 pièces! Dis donc. Dis donc, c'est la folie. Ça c'est quoi? On s'en fout? Ok. On s'en fout. J'ai trouvé un coffre, tout ce qui compte. J'ai buté des champignons. Life is beautiful. Ok, bon, c'est pas là qu'elle est hyène en tout cas. Hein. Donc je suis revenue là pour rien. Petit bout blonde, j'aimerais bien voir ça. Non, blonde non, mais plutôt violet, rose, truc comme ça, tu sais. Ça, j'aimerais bien. Oui! J'ai pas pu l'aider lui pour sa quête, il me fait peine. Hein. Je peux rien faire pour lui. Bah, de quitte à être de retour, j'ai envie de dire, autant faire des expériences. Hein. Mais non, je n'ai point l'impression. Tant pis. Bah, du coup, c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Où je suis là? Oula. Je me suis perdue. Ouais, attends, calme-toi. Sors de là, tu vas y arriver. Je ne sors pas. Je suis coincée. Mais où je suis tombée? Ah, attends. Voilà. Non, je ne sors pas. Je suis toujours coincée. Non, mais attends, sans déconner. Ah! Ok, c'est bon.
Non, c'est pas bon. Pourquoi je peux pas bouger? Ah! Mais je suis tombée dans un interstice. Improbable. I am coincée! Non mais en vrai, je peux pas bouger! Vas-y, peut-être en passant par là. Le jeu il a compris que je suis dans une impasse. Au secours. Je peux le faire. I can do it. J'arrive même pas à voir ce qui se passe. Je suis tombée dans un puits. Genre, en vrai, c'est pas. Genre vraiment. Ah voilà, donc, là je reviens là. Mais genre je peux pas bouger de là. Accroupi. Ah tu crois? Non! J'ai cru qu'elle est retombée dans le trou. Où elle est? Elle est là. Non, c'est un bug. C'est vraiment un bug. Voilà, super. Non, en vrai, je suis dans un trou de jeu. Parce que normalement, là, je devrais pouvoir sortir. Hein. C'est ballot, n'est-ce pas? Attends, on va sauvegarder. Si je sauvegarde, je reviens normalement à côté, non? Ou alors, attends, c'est quand la dernière sauvegarde auto que j'ai eue? Sauvegarde auto? 1h58. Ah non, c'est là. Ouais, non, j'ai peur de faire une connerie avec une sauvegarde auto, vraiment. Qu'est-ce que je fais? Je suis tombée. Ah, mais il faut que je sauvegarde. Je sauvegarde ou pas? C'est ça le truc. Je redémarre sans sauvegarder? Putain, mais je vais retourner où? Ça m'apprendra à vouloir aider le vieux, hein. Je sais pas c'est quand, là, du coup. T'as pas d'image, donc sauvegarde quand même, ok. De toute façon, je peux faire une nouvelle sauvegarde. En soi... Comme ça, je vais voir où ça mène en plus. Voilà. Sauvegarde 4, 2h41. Ouais, donc c'était ça la sauvegarde auto, ok. Allez hop, on quitte. Et on y retourne. J'ai peur. Ah, Maria. Et ma fille qui est là. Ah, ça m'a remis là. Très bien, c'est parfait. Par les saisons. Oh, ma petite fille, attends, ma petite fille avait un câlin, mais là, maman est en train de tuer des champignons. Ça va, on s'en tire. Franchement, on s'en tire bien. J'ai eu le coffre ou pas déjà? Oui, ok, ça m'a déjà pris le coffre, ça m'a juste fait repop les ennemis. Ok, bah très bien. On s'en sort, très bien. J'ai eu très peur, j'ai eu... Attends, elle veut de l'eau. Ma fille passe avant. Voilà. Fils de chanterelle. Coucou Rianne. Bien dormi? Quelle heure il est? J'ai faim. 11h22. T'as, 11h22, ça fait une heure que je joue? Non. Cela ne se peut. Oui, bon alors là, démerde-toi, je ne t'aide plus. Hein. Franchement... Mais attends, j'ai plus mon casque par contre. Ah, ça va. Ah, parce qu'attends, où on a du skill, on en a pas. Hein. À un moment, voilà, le masque, c'est le masque, quoi. J'en ai marre de tomber. Voilà, c'est bon, ok. Zoup, parfait. J'ai les deux bébés qui sont sur moi. Je me casse d'ici et je vais essayer de trouver les hyènes de l'autre, là. Mais du coup, les hyènes, elles sont pas du tout là où il m'a dit qu'elles étaient, quoi. Je sais pas pourquoi l'écran, il m'a mis ça. Mais peut-être en vrai c'est derrière. Retrouve les perruques. Les perruques. Attends, ma chatoune te met pas sur l'écran. Hein. Non, attends, c'est ça que je veux faire. Non, pas sur le clavier, c'est ça que je veux dire. Les deux chats sont... Non, pas sur le clavier, ma fille. Oh. Ça va être compliqué. Ah oui. Vous avez vu Réa? Vous avez vu ma fille en plein temps? Attends, on va voir la map. Non, je suis pas plus aidée que ça. Hein. Pourquoi je bouge plus? Ah, voilà. Perruque volée.
Ça me dit pas où c'est en vrai. Hein. Enfin, il y a l'arbre au-dessus. Attends, RT, zoom. On va voir, attends. C'est plus bas du coup ? Le truc jaune, c'est là où on est ? Ah non, c'est... donc ça veut dire que c'est à côté de notre autre objectif en fait. Donc faut qu'on continue à descendre. Il m'a dit de la merde l'autre. C'est plus loin. Attends, je vais juste voir ce qu'il y a derrière par contre. Parce que là, il y a une petite maison. Oh, une petite terrasse. Qui fait une petite terrasse ici ? Je ne sais pas, mais. C'est sympa. Ici, c'est bucolique. Il n'y a rien du tout à faire, je pense, mais j'ai envie de voir. Quitte à y être. Réa est en train de vous lire, là. Je peux même pas vous voir, elle est devant le chat. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, c'est juste du décor. Mais un beau décor. Ça va être sympa de vivre là, en vrai. Hein. Bon, le bruit de la flotte peut être un peu chiant au bout d'un moment, parce que t'as vraiment la cascade en face. Mais... ça doit avoir du charme. Rémus, ici, il est juste là. De l'autre côté. Il y a Réa qui est là, Rémus qui est là. Et Rémus, il regarde le jeu, là. Attends. Voilà, il est là. Et Réa, elle est là. Voilà. Bien entouré. Tant qu'ils essaient pas de choper le curseur ou le chat, ça va. C'est tout ce que je demande, à peu près. Alors, ici, nous avons des champignons. Oh, un mec! Je peux te parler, toi, ou... Ah non, faut d'abord que je bute les ennemis. Bah allons-y, hein. Oh, c'était une feinte. Hey! Je sais pas à quoi ils servent les champignons, font bah personne là, ils sont juste autour des diamants, mais bon. Ah, j'ai gagné des pièces, ça c'est bien. Du coup, ça va, ça nécessite de les tuer. Fils de vache! Ok, voilà. C'était pas. Donc il y avait un mec ici là. Je peux te parler, Coco, ou tu dors? Bonjour, drôle de temps, hein. Magnifique mais étrange. Salut, vous n'avez rien vu d'inhabituel aujourd'hui? J'ai vu quelqu'un passer en courant un peu plus tôt, il m'a même pas salué, il devait être pressé. Et donc? J'en parle parce que ses cheveux étaient vraiment très bizarres, il devait venir de la capitale. Les gens de là-bas sont toujours pressés. Est-ce que vous voyez ma... Voilà, elle s'est mise là, voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux plus jouer! Je peux plus jouer, ma fille! Mon amour, ma vie, ma petite lunette, mais je peux pas... Qu'est-ce que tu veux que... Voilà. On discute. Ma chérie, tu veux sur l'épaule sinon? Mais non, mais t'endors pas. I am coincée. Tu la mets par terre. Mais Loetta, je vais pas la mettre par terre. Elle vient se coucher. Je vais pas la mettre par terre. Me veux un câlin. Je vais pas faire ça. Hein, ma fille? Tu veux pas te mettre sur les genoux de maman? C'est bien les genoux de maman aussi. Tu vois, c'est confortable. J'ai un tiroir dans... Oui, oui, j'ai un dodo sur le tiroir, c'est vrai, mais elle préfère être dans les bras. Sur les genoux. Vas-y, je vais essayer, mais elle va jamais rester. Hein. Elle préfère être dans les bras. Attends. Allez, Réa, juste tu te mets là, voilà, regarde comme t'es bien. Non, tu parles, s'en bat les couilles. Non, 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 là, c'est les bras ou rien. Hein. Laissez-moi jouer un tout petit peu. Un tout petit peu. S'il vous plaît. Ok, bon, ok, c'est bon. Elle s'est couchée sur le clavier à moitié, donc ok. Alors, où fallait que j'aille maintenant? Alors, ici peut-être. À la base, je cherche les hyènes, hein, mais on va peut-être trouver des... Non, il n'y a rien ici. Ils te disent qu'on a des quêtes, ça qui est pratique. La map, elle est assez claire là-dessus. Là, on a une boutique, mais on s'en fout, on n'a pas de tunas depuis tout à l'heure. Là-bas, on a une boutique aussi, mais on s'en fout aussi. Mais oui, ma princesse, mais oui. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir dans la... Tu peux venir... viens sur le cou, si tu veux. Tu veux venir là? Non, mais lâche le bras, par contre. Non. Mais ma pupuche, maman.
maman, elle est en train de jouer. Maman, elle est en train de jouer avec la fille de vache. On peut pas... Tu vois? Elle ronronne. Rémus vient de faire tomber un tableau du mur. Tout va bien. Non, c'est... non, ça va, il a fait tomber un carnet par terre. Tu vois, ma fille, ton frère, il a besoin de toi. Ton frère, il, tu vois, il est dépourvu de... Non, mais Rémus, il vient aussi maintenant. Non, mais voilà, sur les genoux. Non, non, on joue pas avec le cordon de maman. Attends, je vais m'en sortir. Réa, tu sais quoi, tu vas sur le petit dodo. Regarde le petit dodo que maman, elle a installé exprès pour que tu sois à côté de maman. Tu te mets là, regarde comme c'est doux. Oh, c'est du pilou-pilou! Non, on joue pas avec les écouteurs, Rémus. Tu vois, tu te couches sur le pilou-pilou. Voilà, ma fille, ça c'est une bonne fille. Rémus, on ne joue pas avec les écouteurs de maman quand maman est en stream. Reste couché. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Les deux sont à peu près positionnés. Rémus est en face con, mais je devrais m'en sortir. Ok, bon. On va y arriver. Donc attends, moi, mon but, c'est les hyènes, là. Les hyènes de l'extrême. Hé, hey, Tite, va pas par là. Pourquoi? Que se passe-t-il? Une bande de hyènes emprunte la route vers Ostara. J'irai pas par là à ta place, elles ont un camp dans cette direction. C'est exactement là où on va, c'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc Pratratro. Oui, je lui ai même donné un nom de famille, allez. Tu pourras jouer avec les écouteurs après le stream. Non! Non, mes écouteurs! Déjà, c'est ceux du Cux. Donc, on va éviter. Allons-y. On casse des bouches. Oh, pourquoi il y a du bleu? Ah, il y a des vêtements! Vas-y, il est mieux sapé que moi, quoi, wesh! Allez! Allez! Ah, c'est tout? Ah, c'est... Elle m'a frappé! Grognasse! C'est bon, on s'est fait 3 yens. Ça va. Attends, je vais me soigner un peu. Comment je me soigne? Si je tape dans l'arbre, ça tombe? Mais... Ah, voilà. J'ai mangé. Bien. Il est mieux sapé que moi. Mais t'as vu? Genre, d'où la hyène, elle a un haut de noble? On pourrait lui voler au moins, genre elle est morte, c'est bon, ça lui servira plus à rien. Oula, c'est des grosses hyènes là. C'est de la grosse hyénasse. Ah, ils ont une armure! Je suis pas sûre de pouvoir le faire maintenant en vrai. Ok, je m'en suis fait une. Attends, on va se soigner. On va se soigner. Crap, voilà, nickel. Oh, je l'ai one shot! Oh, c'est bien, il commence à se barrer, il est cool! Son of a cow! L'insulte la plus improbable, quand même, fils de vache. Il y en a une autre là-bas, mais il y a des vaches partout, pas des vaches! Il y a des hyènes partout! Oh non, il y a un autre truc là. Allez! J'ai pas peur de toi, raccoon! Oh oui! Oula, oula, qu'est-ce que c'est? Il y a de la purée, il a lâché un prout en mourant. Il a lâché un prout. Ah bah, il n'y a pas de honte, hein. Tu sais, quand on meurt, on contrôle pas nos sphincters, hein. C'est des choses comme ça qui sont improbables, hein. Je peux pas rentrer là-dedans, non. Un coffre! D'ailleurs, les perruques. Ah non, 120 pièces! Oh! Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. L'état, oui! J'ai retrouvé les perruques. Attends, il y a Rémus qui veut aller à côté de Réa. Il y est, c'est bien, couche-toi maintenant. Parce que lui, il a envie de jouer. En fait, quand on a un qui a envie de jouer et que l'autre veut dormir, celui qui veut dormir, il se fait niquer. Clairement, c'est celui qui veut jouer qui gagne. Il réveille l'autre, il s'en bat les couilles. Hein. Donc, j'espère qu'il a envie de dormir aussi. Ça m'arrangerait. Non, je crois pas que je puisse monter plus haut. Ok. Eh ben écoute, on s'en est bien sorti. On s'en est plutôt bien sorti. On a récupéré nos perruques. C'est bien, mission accomplie, j'ai envie de dire. On va peut-être voir se payer l'épée, elle était à combien? Elle était à 1000. Je suis pas sûre, hein. On va voir combien il nous donne en récompense, le marchand. Putain, il y en a encore plein, là, des hyènes. Fils de lâche! Non, toi, reviens ici. Toi, reviens ici, espèce de vieux cul. Allez, hop. Je ne prends pas de heal dans l'équipe adverse. J'ai fait cher. Oula, je me fais gangbanger. Voilà! Ça fait plaisir! Bon, on a buté toutes les hyènes. Oh, il y a le château.
Oui, alors attends, par contre, le château, on va pas y aller tout de suite. On va revenir là où on était avant pour rendre la quête. C'est quand même le truc, tu vois. C'est un katana. Oui, tu as raison. Merci pour ta reprise pertinente. On va se soigner un coup. On va remonter où on était, redonner les perruques, espérer avoir de la tunasse. Et si on a cette tunasse, acheter le katana. Mais je pense qu'on a clairement pas cette tunasse. On avait 300 tunasses. Hein. Il est pas très pacifiste ce jeu. T'arrives, tu fais un massacre en insultant les mamans vaches. Exactement. C'est tout à fait moi. C'est tout à fait moi, c'est ça. Je crois qu'il y a encore un coffre, non? Pourquoi il y a un truc là-bas? Bon, on verra après. On a les perruques, tout ce qui compte. Le raton il laveur, il a la queue en l'air. Et pourquoi pas? Si c'est ce qu'il veut. On va pas le juger. On a 691, je crois. Putain, t'as calculé sa tête ou... Attends, on va voir qu'est-ce qu'il propose, lui. Le dealer. Montre-moi ce que t'as. Ah, c'est les fringues. On a 691. Oh, c'est joli. J'avoue, une nouvelle tenue, ça serait stylé aussi. Hein. Mais il faut quand même une nouvelle arme. Une nouvelle arme, ça reste la priorité absolue. Hein. Mais je pense qu'on n'a pas assez de tunas. Je sais pas combien il va nous en donner l'autre, mais... Après, je pense que dans la capitale, il y aura plus de trucs aussi. Hein. J'espère. Il a fait quoi avec ses sourcils? Oh. Chacun sa gestion de la mode. Hein. On y est. On y est presque. Coucou. J'ai été que des perruques. Donne-moi au moins 400 balles. Tu as retrouvé mes perruques. Évidemment, je l'avais bien dit. Je suis estomaquée, je t'ai vraiment sous-estimée. Harry, c'est ça? On dirait qu'il manque une perruque. Enfin, j'ai toutes les autres, moi. Dis-moi, tu ne voudrais pas devenir ma stagiaire en perruque? Voyager partout, vendre des perruques, rencontrer des gens riches. J'ai parlé des perruques, il y en a tout style, taille et matériaux, tu t'amuserais comme une folle. Même si ça a l'air très drôle, je dois décliner. A plus. Alors bonne chance, on se reverra peut-être. Et j'ai rien gagné de... Oh, j'ai reçu une perruque. Mais j'ai reçu des masques absolument dingues. Hein. Attends, calme-toi. Je veux voir ça. Attends, on va essayer. Franchement, on a un petit côté royal très sympathique. Gardons la perruque. Même si le masque, il est beau quand même, mais... Elle en fait des choses avant d'aller au rassemblement, mais de ouf! Elle fait tout, en fait. Tout ce qui passe. Tout ce qui est possible. Allez, on refait le chemin. Retournons à... Mais ici, il n'y a pas de quête, c'est marrant. Genre, tout ce village-là, il n'y a rien, quoi. C'est juste le village de la déco. Pourquoi pas? Il nous a sous-estimé en nous envoyant au combat contre des yens. En gros, il pensait qu'on allait crever dans le plus grand des calmes. C'est pas faux non plus. C'est vrai que c'est moyen, quoi. C'est quoi? Ah, ça doit être pour dire shop, en fait. Shop et machin. Allez, go rendre notre quête principale, maintenant. Le dôme des saisons. C'est quand même the go objectif, quoi. Imagine, elle décide de devenir vendeuse de perruques, elle serait lunatique. J'avoue. Ah non, elles ont repopé. Bon, ça fera de l'XP, tu vas me dire. Hein. C'est toujours ça. J'ai une perruque maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, gros cul? Je dis gros cul sans une once de jugement sur la taille, vraiment. Hein. Sachez-le, non, c'est limite affectueux dans ma bouche. Hein. Des pièces. J'ai pas été blessée. Regarde ça, j'ai même pas été blessée, j'ai niqué 3 yens. Par contre, le fait qu'elle repop aussi facilement, bah vas-y, on va se les faire quand même. Hein. Quand même, ça fait de l'XP, tu vois. Mais c'est un peu abusé. Ah non, il soigne, lui. Connard! Bam! J'ai tout cassé. J'ai tout tué. Quand même une grande fifille. Ah oui, une baie, ça te rend toute ta vie à chaque fois, en fait. C'est trop cool. Il n'y a plus de nouveaux coffres. On sait jamais, comme j'ai dû revoir les ennemis. Non, évidemment. Évidemment, hein. Là, c'est sectaire, quand même. Hein. Pourquoi elle les insulte pas directement de vous, au pire? Grave. Toujours insulter les mamans, là. C'est pas classe, hein.
Allez, on se refait ça. Kaelune, toi, tu vas le soigner, je sais, tu vas le soigner. Reviens ici. Vilain raton laveur, on ne soigne pas les ennemis de Thibaut. Si tu soignes les ennemis de Thibaut, tu es mon ennemi. Fils de vache. Tiens. Ils sont accomplis. On a détruit les ennemis hyènes. Je suis heureuse. Je peux mourir en paix. Maintenant que le royaume est sauvé de cette menace. Je sais pas où on va, mais on y va. Waouh, ça, ça a la classe. Ça, attends, on va faire une vue, tu vois, genre là. Là, ça fait un peu... Oh là là, un nouveau royaume s'ouvre devant moi. Qu'est-ce qui m'attend dans ce monde de brutes? Je trouvais pas que la perruque, vue de derrière, c'est un peu la forme d'une boule qui est. C'est vrai. C'est vrai. C'est un constat étrange, mais je ne peux pas te dire que c'est faux. Ou alors une cup. Tu sais ce que tu te mets dans la zouzou quand t'as tes ch'tups. La phrase codée, tu sais. Alors là, clairement, hein, si t'es pas endurant, ou même si t'es handicapé, t'es foutu. Je sais pas comment tu fais. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Non mais sans déconner, qui fait un royaume aussi haut? T'imagines, t'as oublié le sel en bas? C'est abusé! Oh, au secours. Et sinon, elle veut pas frire ses ennemis. Non, je crois pas. Non, mais... Personne a autant de marche! Vas-y, attends, je lui fais faire une pause. Admire la vue, genre... Oh, je suis pas fatiguée, hein. Juste... je regarde la vue. Ouais, on connaît tous cette excuse. On connaît tous. Tu fais de la luge pour redescendre. Mais grave! Ah, une petite pancarte. Dressé comme un symbole d'honneur et de résilience, le Dôme des Saisons rend hommage à la force, à la sagesse et au savoir-faire supérieur de nos ancêtres. Bâti sur la structure mégalithique la plus ancienne et la plus robuste de Valdi, et doté d'une complexité remarquable, le Dôme préserve l'histoire riche de Valdi et présente un futur utopique. Dédié à l'entraînement des gardiens par le guerrier légendaire, ainsi que le Dôme des Saisons demeure un lieu de tradition renommé pour les générations des gardiens à venir. Regardez, attendez, je vous montre, je résiste pas. Regardez. Attends, je vous montre. Où ils sont. J'arrive pas à vous les montrer. Bah. Mais, où sont mes chats? Attends. Voilà, vous les voyez là. Oups. T'as vu ces bébous? Ils sont cute, hein. Je sais, ces bébés. Alors. Bah, du coup, on rentre, hein. On a pas fait tout ça pour pas rentrer. Ah, mais dis donc. On a tellement de codes avec Thibaut. Ah, bah là. C'est le royaume pour garder la ligne. Exactement. So much echo. Echo. Je sais pas comment je dois le prendre d'avoir eu la même idée qu'elle. Hein. It shouldn't be this quiet. Encore du jus de fraise. Master Bryn. Bryn. Ils ont juste picolé. Du jus de fraise. This is what you call an emergency meeting? You all are just lying around. Bryn! Bryn! Faut lui une boîte. Flynn! You're not dead after all! Oh, quelle équipe! Ils sont brûlés au jus de fraise. Ouais, c'est ça, au jus de fraise. Ah, la dégaine. Dad, and look, it's Flynn. Gwen's son is alive. Oh, Crocus will be so happy. Flynn, now you drank too much juice, Bryn. This is our little Ariel. I like your new haircut, and look how much you've grown. On voit même pas ma nouvelle coiffure vu que j'ai une perruque rousse. What happened to your face? That's a deep cut. Not that it isn't nice to see you, Ariel, but you are not allowed here. Indeed, this is a guardian meeting only. It's not for little girls, Ariel. C'est pour ça que vous dormez tous en vous bourrant la gueule. And I'm not just a little girl. But still, what brings you here? My dad is in no state to climb mountains. I came in his stead. And I feel strange. We get a bit rowdy with our welcome drink, but this is different. Won't we just... What? Oh no!
half-seasoned crystals. They're gone. Quoi? You lost the season crystals? Lost? No, it can't be. I distinctly remember my crystals. Ils sont fait voler parce qu'ils sont picolés. Très impressionné, les langues. Oh, c'est dégueulasse. Ah, donc ils étaient là total bourrés, quoi. Je suis traumatisé. Oui, moi aussi, c'est... Et c'est ça, les gardiens du monde. Eh, bah putain. T'imagines, si ça se trouve, c'est le frère de Harry qui est le killer. Le fameux jeu de fraises que tu dansais sur une table. Bien sûr, on le connaît tous. Le mec, il est même pas endormi, hein. I'm Dagdon, the famous, the expert excavator. Boogie, boogie, too much boogie. Poisoned, and now crystal stolen. With three of the crystals, this criminal has immense... Ah bah quand on voit ce qu'on est capable de faire avec un seul, oui. My crystal of summer is safe at home. Smart thinking, huh? Nestled tightly in my crystal box, it's got a special symbol for summer right on it. It sits right next to my collection of special artifacts. Totally safe. Huh. This poison's got me feeling all swirly. Good thing I showed up after all. I'll fix this mess. I'll get your summer crystal, Dagdon. You're so much like Flynn. It's hard to turn you away. Mais sinon, vous bougez vos culs, vous, en fait. Stay here and figure out who poisoned you. I'll be back with the crystal. Mais son cristal, à lui, il n'a pas disparu. I'll be okay, Luckton. Don't worry. Are you sure, Luckton? Me dis pas, il nous accompagne. On a gagné une pierre. Thank you, Luckton, but... What do I do with this? When you get the summer crystal, pop it right in there too. You'll get a real charge. Quick as you can, eh, Ari? Our reputation can't afford another goof. Il me dépite. Il me dépite tellement. Ouais, mais grave, Rosou, moi, je suis d'accord. Hein. Ok. Bon bah, tout ça pour ça. Super. C'est-à-dire que c'était la mission ultime, quoi. Et à eux... Et là, il faut que j'aille par là? Ah, mais c'est de là que je viens. Y'a pas de truc à voir ailleurs? Attends. Des boutiques... Ah, y'a un truc... Attends. On va quand même faire le tour, j'ai vu un truc devant. Ou derrière, je ne sais pas. Ouais, là. C'est quoi, du coup, ça? Y'a un truc ici? Je vois pas comment l'atteindre. Ah, peut-être descendre. Genre ici. C'est trop bizarre, c'est quoi ce truc? Y'a rien ici, y'a rien en haut. C'est peut-être ce qu'il m'avait donné de base. Ils sont si mauvais. Ah oui, oui, oui. C'est clair que c'est pas des flèches. Hein. Attends, et du coup, on retourne voir. Non, en fait, après, c'est que des boutiques. Donc, go. On se casse. T'as rien à me dire, je suppose. Pardon, je lis pas à voix haute, du coup, parce que ça me perturbe. Mais... Je crois que c'est juste qu'ils discutent entre eux, en fait. Ils sont juste en train de dire...
Ah, c'est que du coup on pourra devenir apprenti. Je spawn hein, parce qu'on s'en fout. En vrai, ils sont tellement cons. Est-ce que tu sais comment te rendre à la maison d'Agan? Je crois, mais ça fait longtemps que je suis pas allée. Hein. Tu peux atteindre la mastide en passant la porte avec les palmiers. La maison d'Agan est tout en haut de la ville. C'est difficile de la rater avec les statues. Ok. Donc en fait, c'est bien ce qui me semblait. Ça n'apporte rien. Je regarde quand même. Ah, et là, c'est pour choper des pierres. Historiquement parlant, le rôle a toujours été endossé par des hommes. Mais si tu veux porter les cristaux de saison, alors tu... Ouais, ils disent la même chose. Ouais, ok. Donc oui, en gros, c'est juste pour dire que si j'y arrive, je pourrais être considérée comme une apprentie, mais pas trop. En gros, ouais, mais pas sûr, parce que ça dépend, tu vois. Faut pas que les gens le sachent. En gros, on se mouille pas, même si tu nous sauves notre cul, quoi. Donc c'est... Je suis d'accord, faudrait qu'ils arrêtent de la comparer à son frère, je suis bien d'accord. C'est grave déplacé, quoi. Oh, c'est joli ici! Oh, il y a des hyènes. Faut que j'aille là-bas du coup? Ok, bah, let's go. Plein de hyènes! Youpi! Vous avez pu me donner de la thune quand même, hein? Déjà parce que je suis la seule à être assez courageuse pour venir. Et puis pour la route, ils ont pas demandé ce que j'allais manger. Si j'avais besoin de m'acheter un petit chapeau. La tunasse, la tunasse, la tunasse, on n'oublie pas la tunasse. Allez, on descend. On va tout devoir faire bourrer et réparer les bêtises qu'ils ont fait. Exactement. C'est that's the point. Hop. Je sais pas pourquoi il y avait des hyènes là d'ailleurs. Il y a vraiment des hyènes partout en fait. Parce que les hyènes et la neige, normalement, ça fait pas trop bon ménage. Hein. Moi j'avoue, je vois pas qui s'attaque avec le méchant pour le moment dans aucune piste. À part notre frangin, je vois pas pourquoi notre frangin serait devenu méchant quoi. À part en rébellion de cette société patriarcale de merde qui veut pas que les filles soient apprenties. Je vois que ça. Clairement. De toute façon, elle met tout le monde au courant. Oui, c'est clair. Y'a quoi ici? Y'a un truc apparemment, mais. Oui, bah de toute façon, je pourrais l'atteindre plus bas. Okay. C'est vrai que c'est pas la championne des secrets, hein. Ou alors pour avoir le pouvoir des saisons. Ouais, mais je vois pas pourquoi notre frère ferait ça. Surtout que de base, on a l'air de bien l'aimer, notre frère. Ça a pas l'air d'être un enfoiré. Voyons voir ici. Il y a quelque chose. J'ai envie de voir ce que c'est. On a du mal à marcher, là. Oula. C'est compliqué, hein. C'est joli. Le jeu est quand même très mignon. Hein. Un coffre. Oui. J'aime les coffres. 70 pièces, putain, ça fait beaucoup, hein. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On risque d'avoir un peu de mal à trouver un arbre avec des baies, par contre, en cette saison. Ils doivent pas connaître le merci. Ouais, non, clairement pas. C'est dans longtemps ou pas le fin? Je crois que la fin, je crois qu'il y a 10 ou 12 heures de jeu pour finir le jeu. Donc, ouais, quand même. C'est pas demain, quoi. C'est pas demain. Oula! Allez! Je vais bien aller me soigner! Allez, le autre là! Voilà, au moins il se brûle vite celui-là, ça c'est bien! Très bien! J'aime bien le changement de musique! Il y a presque un mignon! Fils de vache! Ça va, y'a pas de raton là-bas. Oula, j'ai pris un petit. Oui, c'est soigné! Ok, oula, oh là, là, niveau vie, c'est préoccupant. J'ai un petit problème de life. Mais il va falloir que je traverse. Y'a pas de truc, y'a pas de code soigné. Ah ouais, il est pas mal, ouais, t'as vu? Du coup, je vais commencer par le heal. Il me reste un coup, hein. On va faire doucement. Ok, et le dernier.
J'ai eu chaud du cucu là. J'ai eu chaud du cucu, mais je l'ai fait. J'aimerais bien me soigner quand même. Ce serait quand même un truc sympa. Un petit soin quoi. Un petit truc cool. Là, il y a une enveloppe. Pourquoi il y a une enveloppe? Une enveloppe. Ah là! Peut-être non. Peut-être que je monte là-haut. Je dois avouer que l'enveloppe m'intrigue. Comment? Oh là là, oui, ça sent le message. Ça sent le truc chiant. Oh là là, tu vois tous ces plans. Oh là là! Oh, il y a beaucoup de trucs là. Moi, je suis pas très fan. Il y a beaucoup de sauts. T'es soigné. Ah bah tant mieux. C'est bien que ça se fasse tout seul. Ça me va très bien que ça se fasse tout seul. Ça me va très très bien. Ah, ça va être l'heure de manger. J'ai faim. Attends, j'ai faim. J'avais même pas pensé que j'avais faim avant. Il y a quelque chose ici ou tant qu'à faire. Oh, c'est beau. Alors, nous, ce qui nous intéresse... Ah, là, les trucs là-haut, là. Comment je monte ici hein? C'est ça qui m'intéresse. That's the point. Hop, saute. Hop, saute encore. J'aime bien la musique. C'est bientôt Noël en vrai, hein. Truc tout con, mais... c'est moi ou c'est comme très très loin cette histoire? Peut-être il faut que je fasse freeze. Oh, je peux pas. Ça marche pas. Non, je l'ai pas eu. Je me fais mal. Et là, comment je peux le choper? Peut-être qu'il faut que je le chope là-haut. Mais attends, mais... Il va y avoir un truc que je ne maîtrise pas encore, là. Parce que là, il est quand même grave haut, le machin. Et j'ai aucun moyen de l'avoir. Et ici? Peut-être ici? Faire des expériences, hein. Je trouve vraiment beau, quand même, ce jeu. Ouais, et puis il est doux, en fait, à jouer, tu vois. Oula. Cassage de gueule. Il est un peu agaçant à des moments, mais... Non. Ça me semble très haut, quand même, cette histoire. Il doit y avoir une autre... Je vois pas comment je peux monter, là, en fait. Je pense que je peux pas pour le moment. Non. I can't right now. C'est agaçant. J'aimerais bien. Mais là, ça veut pas. Je te regarde en faisant de la peinture, mais c'est moche. Mais non! Voyons, aie confiance, petit padawan. Peut-être, attends, si je me fous en dessous, ça va suffire pour faire avancer la bubule. Mais elle a l'air d'être quand même très très haute. Ah, mais à mon avis, c'est au retour. Il doit me falloir la truc été. Il doit d'abord me falloir la truc été pour pouvoir activer l'été dans la région. Je pense que c'est ça. Du coup, suivons la mission principale. Et on s'occupera de ça after. C'est là-haut mon truc, moi. Putain, c'est beau, hein. C'est grave beau. Oula, il y a de la flotte. Donc je suppose qu'il faut que je passe par ici. Ça va, vous allez me laisser rentrer, je suis pas une hyène. Enfin, je crois pas. I am just a human. Halt, qui va là? Je suis Harry, la fille du gardien de l'hiver. Je dois entrer à la mastide. T'es sûre de pas être une hyène? J'ai l'air d'une hyène. C'est dur à dire, tu peux le prouver. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et comment je m'y prends? Regardez-moi. Pourquoi tous ces cris? Une hyène qui parle et déguisée en fillette veut entrer. Je lui ai dit de partir comme vous me l'avez ordonné. Nous en avons déjà parlé. Si ça ne ressemble pas à une hyène et que ça parle, c'est sûrement pas une hyène. Mais vous m'avez dit... Ouvrez les portes, enfin! Oh, les flèches. Oh, la vache. On est le seul personnage un minimum intelligent, en fait. Au secours. Donc, ça doit être la baraque là-haut, je suppose. Ça va être un gros kiff pour monter. J'aimerais bien finir quand on a le truc, mais à mon avis... Ouais, non, il va être midi. J'ai faim. Vous avez faim, vous? Moi, j'ai faim. Ah, c'est là. Quoique, on y est. T'as la maison de luxe.
la légalité du peuple, hein. T'as le petit vieux, Ah, mais il y a une ville dans la maison, en fait. Bon, on va s'arrêter là. On s'appellera pour la prochaine fois. Attends, je vais écraser ma sauvegarde. On s'appellera pour la prochaine fois que je dois chercher le truc du soleil là. Enfin, le truc de la lumière. Pour le vieux con. En gros, ok? On se fait ça pour la semaine pro, genre? Ou avant ou après, on verra en fonction de la motive. Mais le but, c'est ça. Comme ça, il y a le bon truc. Alors, en vrai, je trouve le jeu vachement sympa. Mais il est pas d'une profondeur incroyable, quoi. On va dire que c'est un bon divertissement. Pour le matin, c'est nickel. Le matin, pour te réveiller, pour te mettre en jambes, tu vois, c'est bien. Mais après, bon, c'est pas un truc où t'as une réflexion incroyable non plus. Du coup, mes bouchons, passez une très bonne journée. Merci de votre soutien dans ces quêtes incroyables. Merci à tous ceux qui ont follow, d'ailleurs. Et passez un très bon moment. Il y aura Eldaria qui sera rediff à 18h tout à l'heure sur YouTube. Et puis sinon, on se voit demain pour Sherlock. Ça va être bien. Et je suis partie sur YouTube demain qu'il faut que je monte cet après-midi. J'ai du travail. Bisous, bisous. Bonne journée. Profitez du soleil.